Bonjour, amis concitoyens de Rosemère, j'ai un petit message pour vous. Bon, là, vous allez vous dire, il va nous dire, ça va bien aller. Non, en fait, je vais vous dire, des fois, ça va pas si bien que ça. C'est normal. C'est important de rester positif, de regarder les choses avec un œil différent, de trouver le bonheur dans des petites choses simples, comme jouer avec ses enfants, planter une graine, puis regarder la plante pousser, ou réparer un objet qu'on croyait bon pour la poubelle. Restez positif. On m'a demandé de vous donner une citation. Il y a une citation anonyme, là. Je sais pas c'est qui a dit ça, mais que j'aime bien, qui dit « Si la vie te donne des citrons, fais de la limonade. » Il y a une citation de moi-même, que j'aime aussi, qui dit « T'es pris dans ton cocon, travaille sur ton papillon. » Mais si vous voulez une citation plus officielle peut-être, Confucius disait « Le bonheur ne se trouve pas toujours dans un ciel éternellement bleu, mais dans une quantité de petites choses. » On reste positif. Bonjour. En cette période de pandémie, nous sommes devant l'inconnu et il est tout à fait normal de se sentir anxieux. Et chaque personne a sa façon unique de composer avec la situation. Alors, mon conseil, concentrez vos pensées et vos actions, ce sur quoi vous avez du contrôle. Toutes les idées sont bonnes. Ça peut être des choses toutes simples, comme par exemple faire un casse-tête, jardiner, ou encore en profiter pour revisiter des vieilles boîtes de souvenirs. Suivez votre instinct, faites-vous confiance. Vous êtes la meilleure personne pour savoir ce qui vous fait du bien. Je vous laisse sur une citation de Robert Sabatier, poète et écrivain, qui un jour a dit « L'optimisme est l'art de se trouver heureux d'un état futur improbable. » Bonne journée. Bonjour à vous tous. Comme Rose Mairoise, je suis très heureuse de pouvoir m'adresser à vous aujourd'hui. En cette période d'incertitude qui nous afflige tous, je nous encourage à prendre soin de nous en restant actifs tous les jours, que ce soit à l'intérieur ou à l'extérieur, et en mangeant sainement. Parce que la journée qu'on va pouvoir reprendre toutes nos activités, on va être en santé. The only thing that I hope for all of us is that we do stay active and we do eat healthy at this time. The day will come out, we'll need to be in great shape. Ça va bien aller? Et la citation qui me touche beaucoup, c'est « Le destin n'est pas une question de chance, mais de choix. » Alors, encore une fois, dans cette période d'incertitude, nous avons tous le choix de décider de prendre soin de nous. Espoir, hope.